Peut-être on attend une ou deux minutes, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui arrivent. Oui, il y a une jauge réduite, comme ça, c'est... Ouais. Écoutez, c'est ma méthode, vous savez, après on a tous des marottes. Bonsoir à toutes et à tous, alors je suis très heureux d'accueillir, nous sommes tous d'abord très heureux, je pense, de nous retrouver en vrai, si je puis dire, en présence, en présentiel, et non pas en visio-conférence, voilà. Florence Aubenas, vous êtes invitée d'honneur cette année du Festival du Livre de Metz. D'abord, merci d'avoir accepté cette proposition et cette invitation. On est très, très contents. Alors, avant d'oublier, parce qu'on m'a donné des consignes au départ, cette rencontre est labellisée par la SCAM. Alors, après, je vais commencer par ça, parce qu'après, j'ai peur d'oublier. Donc, labellisée par la SCAM, c'est la Société Civile des Auteurs Multimédia. Donc, quelques mots sur cette labellisation. Donc, Florence Aubenas, vous avez reçu, je crois, en 2018, un prix porté par la SCAM, qui était le prix Christophe de Pontfilly, qui est journaliste, réalisateur, auteur de nombreux ouvrages, dont Massoud l'Afghan, notamment. Vous l'avez connu, j'imagine, peut-être, Christophe de Pontfilly. Vous l'avez côtoyé Un peu. Je me vanterais oui. En disant que je l'ai beaucoup connu, mais je l'ai connu... J'ose pas dire comme tout le monde, mais un peu comme tout le monde, parce que c'était quelqu'un de très en vue et qui faisait du bruit et qui aimait dire ce qu'il pensait. Enfin, donc c'était. Alors moi, pour être tout à fait sincère, je ne partageais pas tout à fait sa passion pour Massoud. Mais donc on débattait plus qu'on ne s'entendait, mais c'était un type littéralement extraordinaire. C'est vrai, qui avait balancé sa vie dans cette vallée d'Afghanistan. Et j'ai toujours beaucoup de... presque d'envie, en fait, pour quelqu'un qui, un jour, décide que, pour lui, ce sera là. Et c'était, quand on voit la vallée du Panjshir et Massoud, qui sont aujourd'hui des figures majeures et dont on a l'impression que c'est énorme, en fait, c'est une petite vallée très encaissée, c'est les gorges du Tarn, quoi. Et de là, c'est très particulier. C'est assez petit, assez encaissé, c'est extrêmement beau. Et lui est allé là et a dit maintenant, ma vie, ce sera là. Et j'admire énormément ça. Alors, ce prix a été créé en 2014 et donc il couronne une autrice ou un auteur donc, pour l'ensemble de son œuvre journalistique. Il est attribué donc sur proposition de la Commission des journalistes de la SCAM. Il salue le courage, le sens moral et la ténacité des grandes et des grands journalistes. Parmi les lauréates et les lauréats, donc Daniel Grand-Clément, Denis Robert, Marie-Monique Robin, Charles Anderlin, vous donc, Florence Aubenas, Philippe Rochaud et Claude Guibal, qui en sont donc les premiers lauréats et premières lauréates. Alors vous, Florence Aubenas, mais encore merci d'être invitée d'honneur cette année. Donc vous êtes grand reporter alors, au journal Le Monde, mais après avoir été présent à Libération et au Nouvel Observateur, vous avez commencé, je crois, Nouvel Économiste, c'est ça? Oui. Aucun... Ils n'ont rien resté. Hein. Rien du tout? Eux non plus, d'ailleurs, je crois. C'est vrai? Oh, oui. J'espère pour eux, en tout cas. Alors vous avez fait... Alors, vous étiez à Libération quand vous allez au Rwanda, c'est bien ça, en 1994. Ensuite, vous êtes allé notamment, je n'ai pas cité tous les pays, mais au Kosovo, en Irak, bien sûr, en Syrie, en Algérie, en Afghanistan, vous venez de l'évoquer. Et vous écrivez donc vos deux premiers textes avec Miguel Benassayag, La fabrication de l'information, autour de 1999, je crois, c'était... Oui. Et ensuite, Résister, c'est créer, qui sont des livres de réflexion, hein, des essais sur le journalisme, sur ce qu'était le journalisme à l'époque, ce qui est devenu l'information aujourd'hui. Réflexion sur la communication également. L'idéologie de la communication et Résister, c'est créer. C'est un champ défini par Gilles Deleuze, qui est un peu une analyse des mouvements anti-mondialisation.
Et vous publiez ensuite, donc à partir de 2005 jusqu'à aujourd'hui, 2021, donc La Méprise, l'affaire d'Outreau en 2005, Le Quai de Ouistreham en 2010, En France en 2014 et L'Inconnu de la Poste, donc le tout dernier, en 2021. Alors je me suis dit, tiens, j'ai calculé que ça faisait quand même un certain pas mal d'années entre chaque livre. C'est intéressant. Alors, je vais d'abord, première question, Florence Omna, on vous l'a peut-être déjà posée, hein, je m'en prie de m'en excuser par avance, mais bon, pourquoi étiez-vous, au départ, j'ai envie de dire, attiré au début de votre parcours de journalisme par le grand reportage et par le reportage également de guerre? Est-ce que vous considériez que c'était peut-être l'essence même du métier de journaliste derrière ma question? Est-ce que vous faites une hiérarchie? Alors que non, parce qu'après, vous pouvez me répondre ensuite que non, puisque les livres sont là pour prouver que, quels que soient les lieux, quelle que soit la société française vous intéresse. Mais voilà, première question pour nous permettre un peu d'entrer dans le vif du sujet. Je suis un mauvais exemple, justement, parce que je n'avais aucune vocation pour être journaliste. Je n'avais aucune vocation en général. Ouais, j'étais. Chaque fois que j'entends, c'est la période des malheureux qui passent le bac et qui révisent et qui en bavent, etc. Je me remémore cette période et je me disais, le pire, c'est que je l'ai parce qu'il va falloir trouver quelque chose à faire après. Je n'avais aucune idée de quelles études je pourrais faire, vers quel métier me tourner, etc. Et donc j'ai fait ce que j'aimais, c'est-à-dire des lettres, mais ça s'est vite arrêté. Ensuite, je me suis dit, il faut que je fasse une école professionnelle, voilà, parce que comme ça, j'aurai un métier et je serai formée à quelque chose, etc. Et je me suis inscrite, alors j'ose pas vous faire toute la liste, mais à tout ce que je pouvais faire avec une malheureuse licence de lettres. Et finalement, le premier était l'école de journalisme et je l'ai réussi tout de suite. Donc je me suis dit, inutile de risquer de passer d'autres concours. Et donc j'ai fait ça, mais vraiment en me disant, voilà, il faut que j'ai quelque chose de, comme disent les conseillers d'éducation, de professionnalisant. Et donc à tel point que j'ai d'ailleurs j'ai suivi la filière technique de journaliste, j'ai suivi la filière secrétariat de rédaction, c'est-à-dire on relit les papiers des autres, on fait des titres, etc., qui me semblait très très romantique à l'époque parce qu'on travaillait le soir, et donc je me disais, tout le monde dort, moi je suis là en train de boucler un journal. La planète s'assoupit et nous veillons, donc je m'en faisais tout un monde. Et finalement, assez par hasard d'ailleurs, j'étais à Libération à l'époque, on a dit, ah, il y a une de consoeur enceinte, est-ce que tu peux la remplacer 6 mois à faire du reportage? Et j'étais moyennement, j'ai même pas sauté sur l'occasion, enfin, je me suis un peu fait tirer l'oreille, oh non, j'aime bien mon métier là. Et finalement j'ai fait ça et je vous cache pas, j'ai vu la Vierge, ou sa représentante terrestre. Mais le premier reportage que j'ai fait, j'ai dit la pauvre qui va revenir, elle ne va pas retrouver sa place. Parce que ça m'a plu énormément tout de suite, et c'est une vocation qui est née vraiment tardivement et de pratique, j'allais dire. Et donc j'étais au service information générale, donc pas du tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, une fois que je suis rentrée là, grand reporter est devenu pour moi le but à atteindre. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse ça, il faut que je parte à l'étranger. Enfin, ça m'a enthousiasmé tardivement, si j'ose dire. Est-ce qu'il y avait peut-être derrière tout ça une référence un peu au grand reporter, au Albert Londres, fascination, mais de... À vrai dire, ce que j'aime dans le journalisme, oui, c'est la vie de journaliste. Alors, je vais vous faire baver. Moi, j'adore ça. On voyage, on n'est jamais chez soi. On a toujours une bonne excuse de ne pas faire des corvées parce qu'on dit, ah ben moi, je suis en reportage. Donc, il y a une espèce de vie comme ça, d'aventure un peu, disons les choses. Et je pense que des sujets qui ne seraient pas des aventures, hein, même quand ces aventures sont au coin de la rue, hein, même le Quai d'Ouistreham, ça se passe en Normandie, enfin, c'est ça qui me plaît, c'est se balancer dans un sujet, on revient presque à Pomphili, se balancer dans un sujet et faire ça, c'est ça qui m'a plu, et plus que la figure mythique d'une grande plume ou d'un grand aîné, en fait. Vous écrivez du reste dans En France, dans l'avant-propos, les lecteurs se demandent souvent comment un journaliste choisit ses sujets. J'avais préparé une question là-dessus, mais je me dis, moi, finalement, vous répondez. Je donne la réponse, oui. Oui. C'est une question qui revient sans cesse. Pourquoi cette histoire et pas une autre? Pourquoi ce village-là? Pourquoi cette usine? Et pourquoi cet homme? Les explications ne manquent pas. On se rend à cet endroit-là parce qu'un événement s'y est déroulé. Incendie ou élection, meurtre ou mariage, peu importe,
quelque chose. Ça paraît simple, non ? Écrit et publié dans Le Monde, où je suis reporter, les textes rassemblés dans ce livre ont en commun d'être nés dans cette zone d'opacité-là, entre des questions et des réponses qui ne coïncident pas. C'est toujours le cas pour tous vos... C'est toujours le cas. Oui. C'est-à-dire que ce qui est vrai et ce qui est toujours fascinant quand on travaille comme ça, c'est on se dit, bon, je vais préparer voilà. Donc l'inconnu de la poste, par exemple, c'est un fait divers. Je suis de permanence, on me dit bon ben ce fait divers il faut aller le couvrir parce que c'est tout simplement mon métier, je suis de permanence, c'est l'été, on est en août, j'ai les pieds sur la table, le ventilateur tourne, il n'y en a pas, c'est pas vrai, mais j'aime bien l'image. Et donc tout à coup je me dis ben, je vais ce fait divers a eu lieu, je vais aller le faire plutôt que de rester au journal à me tourner les pouces. Et petit à petit, et c'est ça qui fait sujet finalement au bout d'un moment, c'est que je me dis mais qui a commis ce meurtre ? Et au petit, d'un mystère naît un autre mystère, les questions sont toujours là, chaque fois que je pensais trouver quelque chose, en fait, je tombais sur tout à fait autre chose, et c'est ça qui au bout d'un moment vous attrape dans un sujet, c'est qu'on veut en soi-même on veut en savoir plus, soi-même on est son premier... J'ose pas dire dupe, mais on se dit, ah, alors, et quoi, et comment, et c'est le plaisir du travail. Non, l'envie de se surprendre soi-même, en quelque sorte, peut-être. D'être surpris, en tout cas. Oui, et justement, alors, l'inconnu de la poste, parce que vous en parlez, donc le tout dernier livre, donc aux éditions de l'Olivier. Donc là, on revient. Alors là aussi, d'abord, une affaire ancrée dans un terroir, dans un territoire, plutôt un terroir. Un territoire, vous aimez, je pense, j'ai l'impression qu'on le sent bien à travers aussi le quai de Ouistreham, où là vous vous faites passer, vous êtes anonyme, vous cherchez du travail, vous partez à Caen, vous choisissez la ville de Caen. La méprise, l'affaire d'Outreau, voilà, c'est une affaire criminelle, c'est le nord de la France, Boulogne, Saint-Omer. Bon. Est-ce que ça, c'est pour vous, c'est premier, d'abord, c'est le hasard de ce qu'on vous propose. Enfin, bon, est-ce que le choix du lieu, j'ai envie de dire, vous faites un peu des radiographies, j'ai l'impression, Sans doute un peu, mais en fait, ça part d'une idée assez simple. C'est-à-dire que très souvent, quand on lit dans un journal qu'un événement s'est passé, une affaire criminelle, une tournée électorale, enfin, ce genre de choses, c'est très souvent, on raconte l'histoire et c'est comme si ça se passait hors sol. C'est-à-dire que, je suis venue en voiture... Justement, je rentre de reportage et j'étais en voiture pour arriver. J'écoutais France Info et il y avait l'affaire Jubilard. Tout le monde voit ce que c'est. Vous avez tous écouté France Info. Vous êtes tous venus en voiture. Vous voyez tous ce que c'est l'affaire Jubilard. Vous pensez pas à la pollution, vous en foutez. Et donc, il y avait l'affaire Jubilard. Et ça pourrait se passer sur la Lune, en fait, parce qu'on sait rien de l'endroit. Alors, on dit c'est dans telle ville. J'ai même oublié le nom de la ville. Dans le Tarn, non ça, voilà, tout est dit. Et ça m'a toujours frappée, c'est-à-dire que moi, ça me plaît de savoir où c'est, les choses, elles ne se passent pas de la même façon si elles ont lieu à Marseille, Lyon, Lille ou un village. Et ça me semble toujours important de les resituer fortement parce que ça influe sur ce qui se passe, en fait. Et j'aime bien ça, moi, j'aime bien savoir. En plus, je suis vite curieuse de m'installer. On est là, on pousse la porte, on rencontre des gens tout à fait par hasard... Oui, j'ai envie de dire, ce sont les rencontres aussi, les rencontres humaines. Enfin, bien sûr. Banalement de dire ça, mais il faut le dire. Quoi. C'est ça qui... Oui. Bien sûr. Et par exemple, à l'occasion de ce livre-là, donc c'est une affaire criminelle dans un village, il y a trois bons hommes qui vadrouillent ensemble, un peu alcoolo, un peu ceci. Et en fait, ils montent dans la montagne et vont passer leurs après-midi, souvent, dans une ferme isolée. Et cette ferme isolée, à part le fait que trois des principaux protagonistes y passent leurs après-midi, n'a aucune influence sur le crime, sur le bouquin, sur les choses. Et pourtant, cet endroit m'a fasciné. Et donc, j'ai voulu tout savoir sur cette ferme, les gens qui y habitaient. Et cette histoire m'a beaucoup plu. Et du coup, je la raconte aussi dans le livre, parce que ça me semble faire partie, au bout d'un moment, de la raison pour laquelle ils étaient là. Alors, cette ferme, je vous dis en deux mots, c'est deux frères et une sœur qui y habitent et qui fuient le monde, qui se barricadent dans cette ferme et quiconque s'approche, ils sortent les fusils en disant qu'est-ce que vous venez faire, etc. Et donc un jour, un hiver, donc c'est devenu la légende, tous les gamins du village tournent autour, ils veulent voir ce qui s'y passe, c'est devenu un peu le mythe du coin. Et à un moment,
un hiver particulier. Ils appellent ça un grand hiver blanc, c'est-à-dire c'est un hiver où il y a de la neige jusque au-dessus des portes, les gens sortent peu, etc. Les gamins du village inventent une blague et disent les deux frères ont mangé la sœur. Et alors c'est à tel point que comme on les voit pas, puis on les voit plus, puis on n'ose pas y aller, etc. Les gens s'affolent, disent peut-être, ça se trouve. Enfin bon, il y a une espèce de truc. Et alors ils envoient une délégation, le curé en tête, suivi du maire, d'un autre paysan qui pourra leur parler en leur langue. Et donc ils montent jusque là. Alors ils tapent du pied devant la porte. On les fait pas rentrer. Ils grelottent. Ils rentrent dans la maison, qui est une maison où le plafond est noir de suie. On ne voit rien parce qu'il y a qu'une seule ampoule. Ils devinent à peine quelques chats qui passent par terre. Enfin, ils attendent. Et le curé, le plus courageux, dit « Bon, ben, peut-être, où est-ce qu'elle est votre sœur ? Où est-elle ? » Alors, personne ne l'a vue depuis des années. Elle était à l'école du village, mais bon, bien sûr, le temps a passé. Et donc, ils se disent ouais. Et tout à coup, la porte de derrière s'ouvre et paraît la femme qui est magnifique, complètement maquillée, avec des longs cheveux blonds qui lui tombent jusqu'au milieu du dos. Et une robe comme une robe de mariée. Et cette histoire, et qui est une histoire, ce qui est réel, hein, donc c'est, voilà, cette histoire me semblait aussi raconter cette région et raconter autant ce qui s'y passe que les usines de plastique en bas. Voilà, c'est pour moi c'est précieux, c'est les moments précieux. On est à Montréal-Lacluse, dans le Haut-Bugère, une région qu'on ne connaît pas forcément bien, mais qui, près de Nantois, hein, pour dire entre la France et la Suisse, c'est un peu un point de passage, une route située un peu sur le trafic de drogue, mais bon, ça, c'est... Voilà, c'est non, mais il faut le dire, parce que vous en donnez parlez... Donnez pas vos adresses. Donnez pas non, mais vous en parlez un peu dans le livre. Est-ce que, justement... Voilà, c'est une région peut-être un peu mal connue. C'est la France, hein, bien sûr, dans son entier. 6 ans ou 7 ans de travail, c'est bien ça, pour l'inconnu de la Poste. Et finalement, un livre de rencontres, parce que au début du livre, vous écrivez que finalement, voilà, vous en entendez parler la première fois de Thomassin, puis il s'agit de Gérald de Thomassin, qui a eu ce César espoir dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon en 1989. On se souvient toutes et tous de ce film. La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une directrice de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré quelques-unes des lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allé le voir chez lui, à Rochefort, à Foix, chez son frère, sur le bassin d'Arcachon, c'est sa grand-mère. Routard immobile, Thomassin n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je voulais en savoir plus sur lui. Je le lui avais dit en précisant que je n'écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l'assassinat d'une femme dans un village de montagne, affaire dans laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient de me voir. Ses réponses à mes questions se perdaient dans le vide. Il répétait « On en parlera quand tout sera fini ». Donc c'est un... Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est un livre de rencontre, essentiellement ? Enfin, c'est oui, encore en une cas, fois. Oui, en tout cas, ça a beaucoup compté. Et c'est vrai que je n'aurais pas pu rencontrer les protagonistes, enfin, le père de la victime, lui, etc. Je n'aurais pas fait de livre. Enfin, moi, ce qui me plaisait aussi, c'était en effet de rencontrer les gens, savoir à quoi ils ressemblent. Les suivre longtemps, enfin, c'était vraiment c'est ce travail-là qui m'intéressait. Ça, c'est alors sûr. Justement, j'avais une question, Florence Aubenas. À un moment donné, vous écrivez des livres dans votre vie. Vous avez d'abord les deux premiers livres avec Miguel Benassayag, mais qui sont quand même assez différents, ils sont plutôt des essais. Vous passez ensuite à des livres qui ne sont pas des romans, qui ne sont pas des... Je ne sais pas comment vous les qualifiez, vos propres livres. Des reportages. Des reportages. Ouais. 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 C'est que vous gardez le... Mais c'est intéressant de... J'ai fini par avoir le titre, donc je me dis après tout. Ouais. Des reportages. Mais alors justement, qu'est-ce que le livre vous permet de plus, peut-être, ou de différent qu'un papier, que ce soit un quotidien, Le Monde, ou vous avez travaillé au Nouvel Observateur, aussi dans un hebdomadaire. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Quand on écrit des articles, ça c'est mon lot quotidien, et j'adore ça. C'est assez particulier parce que la presse, on s'en rend peu compte, est un métier de très grande contrainte. C'est-à-dire qu'il faut rendre un papier d'une certaine longueur, à une certaine heure, sur un certain sujet. Et donc il y a là une forme et une manière de devoir dérouler un récit très particulière et très précise. Et je trouve qu'il y a, d'ailleurs, moi ça ne me gêne pas, il y a une certaine grandeur dans ces obligations-là. Et en revanche, quand on écrit un livre, on écrit, j'ose pas dire comme on veut, on raconte comme on veut, et comme on raconterait pas forcément dans un journal.
Et par exemple, le livre sur l'affaire d'Outreau, je l'ai écrit après avoir suivi le premier procès. Et sur ce premier procès, j'ai écrit bien plus d'articles que la somme de ce livre, en fait. Si je les mettais bout à bout, ça ferait le double de ce volume. Et cette histoire d'Outreau, ce qu'elle nous a raconté pendant le procès, c'est comment un dossier énorme, petit à petit, les feuilles en tombaient comme celles d'un arbre, et petit à petit, on se disait, mais comment ça s'est passé? Comment c'est possible que cette histoire ait tourné à un tel fiasco, etc. Et donc, on voyait une affaire se détricoter. Et ce qui m'intéressait, c'était l'inverse, et c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire en livre, c'était de dire comment, sur la pédophilie, l'inceste, un sujet qui est tellement important, tous ces gens qui ont voulu tellement bien faire sont arrivés à un tel fiasco. Comment ces juges qui ont voulu sauver des enfants, comment ces policiers qui ont voulu faire le mieux qu'ils pouvaient, ont finalement créé une catastrophe à leur manière. Et c'est ça que j'ai voulu raconter, c'est-à-dire c'est comment l'affaire s'était montée. Les articles racontaient comment elle s'était démontée, et le livre raconte comment elle s'est montée. Et donc c'était le même chemin, mais dans l'autre sens. Et souvent, c'est en fait avec ce livre que j'ai découvert une autre façon de raconter. Que vous avez ensuite développé avec le Calouis Tréham, qui est encore une autre manière. Peut-être là, vous vous mettez en scène, anonymement, on va dire. Vous allez à Caen. Pourquoi avoir choisi Caen d'abord pour, vous pensiez que c'était une Alors, ville J'espère qu'il n'y a personne de Caen ici. Parce que quand on me demande pourquoi Caen, alors, je dis parce que c'est une ville banale en France. Bon, ça part mal. Non, mais oui. En fait, c'est une ville française, oui. banale, au sens où. C'est-à-dire, si on prend Marseille, on vous dit « Ah, mais Marseille, c'est spécial, vous prenez Lille, ah, mais le Nord, c'est les ch'tis, vous prenez Paris, mais Paris, c'est Paris. » Donc voilà, Caen, ça avait un côté, je ne dis pas universel, mais voilà, pas trop marqué. Ce n'est pas trop grand. Et dernière chose très avantageuse, je n'y connaissais personne. Donc je n'avais pas l'angoisse de croiser dans la rue quelqu'un qui allait me dire « Ah, dis donc, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc c'était une ville où j'étais, je n'avais aucune, je n'y avais jamais mis les pieds avant. Et donc, je n'avais aucune attache, rien. Donc, j'ai choisi Caen pour, très, très exactement pour ça. Vous vous inscrivez à Pôle emploi. L'idée oui. était... Voilà, et là, pour ce livre-là, c'est vrai que l'histoire était de dire... Voilà, c'était pendant la crise économique de 2008. Qu'est-ce qui se passe quand on est une femme, 50 ans, qui n'a pas de profession particulière, qui a juste le bac, qui n'a pas travaillé pendant un certain temps, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme boulot? C'est-à-dire comment est vécue une crise à hauteur d'homme ou de femme qui a un petit bagage. Et donc, je m'étais dit, donc je débarquais à Caen, je ne me disais pas que j'étais journaliste, bien sûr, et donc j'ai été persuadée, avant d'y arriver, que les gens allaient être passionnés par mon dossier. Qu'ils allaient dire, oh là là, celle-là, il faut l'aider, elle en veut, etc. Et donc, j'étais mal élevée. Hein. Et donc, je me dis, il faut que je prépare un petit CV pour expliquer pourquoi je suis dans cette situation. Et donc, j'avais tellement bien préparé un CV que je m'étais inventé une autre vie. Donc, je m'étais dit, voilà, alors je vais dire, j'étais mariée avec un homme. Je m'étais dit, quelle profession il va avoir. Je m'étais vraiment prise au jeu. Alors, je m'étais dit, garagiste. Garagiste, c'est super sexy, c'est le facteur sonne toujours deux fois, c'est vraiment bien. Donc, en région parisienne, parce qu'il y a plein de monde en région parisienne, personne ne va vous dire « Ah, vous venez de là, ben, je connais machin, je connais truc. » Donc, en région parisienne, c'est pratique. Donc, voilà, tout était ça, on avait même un chien, le chien avait un nom, voilà. Et donc, j'arrive avec mon truc, et alors, évidemment, histoire, pourquoi je n'avais pas travaillé? Parce que mon garagiste m'entretenait. Et donc, finalement, il m'a larguée et il faut que je pars à Caen chez une cousine et je cherche du travail. Donc, j'avais ficelé tout ça. Je pourrais la faire beaucoup plus long. Hein. Et donc, j'arrive devant la conseillère Pôle emploi. Mon truc, mon dossier, bonjour. Je cherche du travail. Alors, elle prend le CV. Oh là là, il n'y a pas grand-chose, elle me dit. Puis, vous êtes déjà âgée. Je dis oui... Elle me dit, pas grand-chose en bagage, puis alors, vous n'avez pas beaucoup travaillé. Alors là, je m'apprête, le garagiste, le chien, voilà. Et donc, je m'apprête à me lancer, et je dis, oui, mais c'est ça.
Oui, alors après, il m'a largué, elle me dit, ouais, enfin, comme tout le monde. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Et la fois suivante, c'était un homme qui était conseiller Pôle emploi. Et donc là, je me dis, celui-là, il va l'avoir. En avant, le chien, le garagiste, etc. Je m'apprête à tout lui. Je dis, voilà, alors, oui, j'ai un pauvre CV parce que, voilà, mon compagnon m'a largué. Alors, il me dit, pour une plus jeune, sans doute, avec le petit scanner sympa. Donc, voilà. Et donc, voilà, j'ai commencé à comprendre. Ça commence comme ça. Et là, tout s'enchaîne à partir de ce moment-là, quoi. Oui, à un moment, vous êtes à l'agence d'intérim, vous dites j'accepterai tout. Il vous répond ici, tout le monde accepte tout. Oui. Dit le jeune garçon derrière oui. L'ordinateur. Je lui demande ce qu'il y a en ce moment. Rien. En revanche, il voit passer toutes sortes de gens, y compris ses collègues de l'agence d'intérim à côté, où les licenciements ont commencé. Il dit que son tour viendra peut-être. C'est vrai qu'on est dans une période où la précarité, la crise est très prégnante, et c'est vrai que donc c'est un livre pour le coup. Vous faites plein de rencontres dans ce livre aussi. Oui, oui. Vous rencontrez. Je vous laisse. Oui, c'est vrai que il y a cette confrontation à Pôle emploi en fait, où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, etc. Et surtout. Ce qui était très frappant, c'était les personnes avec lesquelles je faisais le ménage. Hein, donc, le principal travail que je trouve, c'est de nettoyer un ferry entre le moment où ils débarquent les voyageurs venant d'Angleterre et celui où ils vont embarquer les voyageurs en France qui vont en Angleterre. Et donc, il y a trois quarts d'heure, une heure, sur lesquelles se ruent 50 personnes, femmes de ménage, balais, etc., qui vont nettoyer ce bateau. Et donc sur ce bateau, alors c'est vraiment une des premières choses dont je me rends compte. Donc je monte sur le bateau, le balai, le truc, hein, et vous croisez les gens qui descendent, vous dites bonjour. Première chose, personne ne vous répond. On ne salue pas le balai, après tout. Et donc et l'autre chose qui m'a beaucoup frappée dès le début, c'est que donc comme toute personne arrivant, vous avez le boulot le plus pourri, c'est nettoyer les toilettes. Et donc, vous nettoyez les toilettes. Et j'étais avec ma collègue. Alors, je faisais ma petite journaliste. Alors, on nettoyait les toilettes. Et toi, comment ça se fait que tu es dans ce boulot? Je lui demandais. Alors, je me disais, il faut bien que je me retienne les réponses et tout. Et donc, elle me dit, oui, voilà, j'ai trouvé, j'ai été prise tout de suite, etc. Je dis, oui. Alors, j'essaie de la faire un peu parler sur sa vie. Et elle me dit, mais tu sais, moi, je fais ce métier. Donc, oui, on est accroupi, nettoyant les toilettes. Je fais ce métier parce que j'ai beaucoup d'ambition. Et voilà. Et moi, j'ai fait comme vous. Je me suis dit, c'est dingue. J'ai souri dans mes toilettes à côté. Et en fait, finalement, parmi ces femmes, ces précaires, j'ai rencontré autant de gens qui me disaient j'ai de l'ambition que parmi les journalistes, autant de gens qui me disaient je fais ça mais ça m'emmerde que parmi les journalistes. Et finalement, on finit par comprendre que le travail, c'est aussi la dignité qu'il comporte et pas forcément ce qu'on fait. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à lire, à m'intéresser à la littérature, on lisait, j'étais au collège, on lisait Germinal. Et moi, je suis du nord de la France, enfin, de Belgique, j'osais pas le dire, mais... Pourquoi? moi, j'adore, hein, mais bon. Ah oui, oui, oui. Et donc, on lisait Germinal, et on voyait des gens enchaînés à la mine, mourant en allant d'un coup de grisou, en allant chercher la veine de charbon, etc. Et tout à coup, nous, on voit les mines qui ferment, exactement à ce moment-là, les mines qui ferment, les gens qui se retrouvent dehors, etc. Et on se dit, bah, ils vont danser la carmagnole, ils vont être contents, ce métier horrible, voilà, c'est supprimé. Et en fait, on voyait les gens pleurer à la télé, il y avait toujours des mineurs qui arrivaient, qui disaient... Et c'est une des premières fois aussi où j'ai compris que ça, ce métier qui était désigné comme un des métiers les pires, un des métiers... où on attrape des maladies terribles, où on meurt justement sous terre, etc. On pouvait l'aimer, on pouvait y trouver une identité et on pouvait s'y reconnaître. Et que le travail n'est pas simplement le salaire à la fin du mois, mais aussi pour certaines fois, une forme de dignité et d'identité. Et donc là, parmi les précaires, il y avait vraiment ça. Il y avait vraiment... De beaucoup d'entre elles, cette dignité, si vous voulez, j'y serais allée comme journaliste. On regardait tout à l'heure la différence entre écrire un article et écrire un livre. Ouais. J'y serais allée comme journaliste sans me cacher, en tendant un micro. Qu'est-ce que c'est la précarité aujourd'hui en France, etc., etc.
La première des choses, c'est que vous allez tomber sur quelqu'un, parce que vous êtes là, parce que vous suscitez ça comme journaliste, vous allez tomber sur, allez, je le dis rapidement, une plainte. Ouais, c'est dur, c'est pas facile, etc. Moi, j'ai fait ça pendant 6 mois. En 6 mois, je n'ai pas entendu une seule de ces femmes se plaindre, dire c'est difficile, c'est dur. La plupart ont dit, heureusement qu'on a trouvé ça, heureusement qu'on a fait ça. Elles affrontaient la situation avec vraiment du courage, en s'accrochant, etc. Et donc, c'est vrai qu'on recueille aussi d'autres témoignages suivant les méthodes qu'on utilise en vérité. À un moment donné, je crois que l'agence de Pôle emploi dit on a 4000 dossiers en retard. C'est hallucinant. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, c'était, ça allait ouais. toujours, hein, d'ailleurs. Vous étiez fixé, je crois, comme règle d'arrêter l'expérience au moment où vous décrocheriez un contrat à durée indéterminée. C'est bien Exactement. Ça Exactement. Ouais. C'était un choix délibéré dès le départ. Bah, c'est-à-dire, je me suis dit, je vais pas prendre le boulot de quelqu'un. Ça va de soi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr, mais bon. Non, bah, je reste finalement à l'eau le journal. Écoutez, allez, vous parliez justement de Germinal, des mines et autres, mais justement dans l'inconnu de la Poste, il y a aussi ce qu'on apprend. Enfin, moi, je ne savais pas. Hein. Cette région a été très marquée par le plastique. C'est une sorte de la plastique vallée en fait de Montréal-Lacluse. Oui, en fait, c'est voilà. C'est assez. Moi non plus, je ne savais pas du tout. C'est l'endroit le plus industrialisé de France. Alors, quand vous y allez, vous n'avez d'ailleurs pas du tout cette impression, parce qu'il y a des montagnes, des lacs, des sapins, ça paraît très, très rural. Et c'est vraiment ça, cette réalité, et c'est assez fort. C'est-à-dire, c'est après-guerre, dans ce coin-là, c'était de l'agriculture de montagne. C'est-à-dire, on est entre le Jura et la Suisse, donc vous voyez, ça commence à monter, descendre. Il fait très froid l'hiver, bon, c'est pas facile. Et donc, pour tirer 3 pommes de terre, un petit peu de fromage, des choses, c'est compliqué, c'est dur, les gens en bavent, etc. Et il y a eu une aventure incroyable que les gens racontent très peu. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit peu connue, parce qu'en fait, après, j'ai cherché des thèses d'historiens, etc. dessus, et rien n'a jamais été écrit là-dessus. C'est assez étonnant. Et donc, en fait, après-guerre, parce qu'il y avait toute une tradition de coutellerie et de manches en corne de couteau, ils se sont dit, les manches en corne, ça ne va pas marcher au bout d'un moment. Et s'est implanté le plastique. Et donc, ils ont commencé à faire les mêmes choses qu'ils faisaient en corne, en plastique. Et ça a été un engouement. Toute une vallée s'est balancée dans cette industrie. Et les gens installaient, donc les paysans vendaient les vaches, dans l'étable, mettaient des presses à injecter le plastique, je fais le geste, qui était à l'époque assez dangereuse, hein, parce que c'est du plastique en fusion, il fait une chaleur de bête. Le village entier, n'était qu'un ronronnement, parce qu'elles font beaucoup de bruit, etc. Et donc, les gens les racontent de façon très belle, disaient, voilà, alors, qui osait devenait son propre patron, faisait son truc. Donc, il mettait 3 presses dans le truc. Alors, vous avez tous, enfin, les plus âgés comme moi, se souviennent des cadeaux Bonux, des pif gadgets, etc., de tous ces petits jouets en plastique bon marché, c'était fabriqué là-bas. Et donc, toutes ces petites choses, les bassines, des objets simples, étaient fabriqués là. Et alors, le type faisait ça comme un fou. Quand il tombait de sommeil, parce qu'il ne faut pas que les presses s'éteignent, la femme prenait le relais. Quand la femme tombait à son tour, la belle-mère reprenait le manche. Et il y avait là, comme ça, des gens qui ont travaillé, qui ont, au bout d'un certain moment, ont bien vécu. Enfin, eux en parlent comme un temps dur, difficile, mais où ils disaient on voulait une télé, on voulait une voiture. C'est cette explosion des 30 glorieuses, ils l'ont vécu à fond là-bas. Et c'est resté. Donc maintenant, évidemment, il n'y a plus de petite presse chez les uns et les autres. Tout ça, c'est fait. Enfin, le phénomène d'industrialisation s'est fait comme partout. Hein. C'est-à-dire que la petite a racheté la plus petite. C'est devenu une moyenne rachetée par une grosse. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Et donc, c'est devenu maintenant des très grandes usines où on fabrique les meubles de jardin. Enfin, tous les objets en plastique, les pourtours de fenêtres, etc. Et c'est vraiment une aventure collective. C'est-à-dire que tout le monde l'a fait en même temps. Ils abandonnaient les fermes. Ils lâchaient la ferme. Ils disaient. Et en une génération, on est passé littéralement de la charrue à l'industrie. Et l'agriculture, du coup, dans tout ça, l'agriculture a été un peu délaissée ou, oui. Complètement enfin, ah, bah, oui. Complètement, oui. Mm-hmm. Bah, je crois qu'il y a une seule... Dans ce village, tout le monde était agriculteur et il y a une ferme maintenant. Les gens sont un peu taiseux dans le coin quand même. Ils ne sont pas très causants. Enfin, moi, je peux... Enfin,
Ça, oui. Ouais, enfin, ouais. En fait, c'est assez. Ouais. C'est, vous les connaissez mieux que moi. Ouais, c'est-à-dire, oui, il se raconte peu. Ouais. Cette histoire du plastique, alors que j'ai trouvé formidable. Alors, il disait, c'était assez marrant d'ailleurs, parce que à l'époque, quand le plastique battait son plein, ils y ont vraiment cru. Alors, ils voulaient, donc la ville principale s'appelle Oyonnax, et ils voulaient rebaptiser. Donc, tout le conseil local a voté que ça s'appelle Oyonnax les plastiques. Donc imaginez comme le Conseil d'État a été bien inspiré de refuser, donc ils ont refusé le nom. Donc il y avait un salon du plastique et où ils élisaient Miss Plastique. Mais ça paraît cocasse aujourd'hui, mais c'était ils adoraient ça. Donc vous imaginez Miss Plastique qui arrive, ça, aujourd'hui ce serait délirant quoi. Et donc tout était comme ça et j'en parlais avec un élu et il me disait oui mais dans certains coins, alors il pensait aux États-Unis, hein, il disait c'était le Far West, il l'avait vraiment vécu comme ça, c'était le Far West. Là-bas, ils ont eu la ruée vers l'or, nous on a eu la ruée vers le plastique. Et ils l'ont vraiment, ça a été vraiment un appel pour eux. Vraiment. Qu'est-ce qui vous a donc happé, aspiré, si je puis dire, donc là-bas à Montréal-Lacluse, vous arrivez, vous commencez un petit peu à rencontrer les gens, à faire votre enquête. Vous êtes resté 6 ans, enfin vous n'avez pas fait que ça, bien évidemment. Loin de là. Dites pas ça ici. Si y a le patron du monde, je vais faire. Non, non, mais j'ai pas bien sûr que non. Florence, oui, bien sûr. Quand même, 6 ans de travail pour arriver à ce livre magnifique. C'est-à-dire qu'au début. Vous arrivez dans un village où il y a eu un meurtre terrible, donc cette postière... 2008, hein, donc, hein, 19 décembre 2008, c'est ça ? 19 décembre 2008, dans le village, il y a une postière, Catherine Burgot, qui a 40 ans, qui est la jolie fille du village. Donc Sophie Marceau, ses copines l'appellent Sophie Marceau. Et donc, c'est vraiment une belle femme. Tout le monde, alors son chef à la poste dit il y a un tout petit bureau de poste où il y a une employée unique, elle, et on n'y fait même pas d'opération financière parce que c'est trop petit, c'est pas relié au terminal, enfin, donc, c'est vraiment la petite agence du village. Et le patron dit, le chef de la poste locale dit, de toute façon, une personne sur deux qui vient à ce bureau de poste vient pour Catherine Burgot. Donc, alors chacun vient faire son petit couplet. Et elle est très aimée. Quand une personne âgée rentre, donc elle est née dans ce village, elle le connaît par cœur. Vous savez, elle fait comme les jeunes filles de bonne famille. Elle se lève pour aller l'accueillir à la porte. Enfin, ça a gardé ce côté charmant. Et c'est la fille du secrétaire de mairie, donc qui est un notable local, etc. Et un matin, donc tu le dis, en décembre 2008, un matin à l'heure de l'ouverture. Le premier client la retrouve assassinée de 28 coups de couteau. Et on se dit, qui a pu tuer Catherine Burgot ? Qui en voulait à Catherine Burgot ? Un de ses voisins dit, elle était aussi bien vue qu'on peut être vue. Enfin, c'était la personne. Et donc, on se dit, mais qui savait qu'elle était seule dans ce bureau ? Qui savait qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance ? Qui savait même que ce bureau existait ? C'est forcément l'un d'entre nous. Et donc on commence à se regarder dans le village et cette communauté paisible qui s'entend bien, avec qui vit en commun, c'est un village où il y a assez peu de brassage finalement, se dit parmi nous il y a un assassin. Et donc le livre raconte ça. Et alors quand j'arrive dans le village pour faire mes interviews, vous imaginez comme on a envie de voir un journaliste. Donc je sonne aux portes, alors je dis bonjour, je suis journaliste. Alors déjà, la presse n'a pas bonne presse. Et donc, j'ai dit, oui, elle est où votre caméra ? Alors, je dis, non, je suis presse écrite. Je fais pas. Alors, déjà, ça s'arrange un peu. Alors, vous venez de Lyon, Paris, boum, je retombe des étages en bas. Ah, vous n'êtes pas du tout d'ici ? Non, pas du tout. Là, je me dis, ça y est, la porte va se claquer. Et au bout d'un moment, je voyais les gens qui me regardent. Puis ils regardent, ils se disent, je l'ai vue quelque part, celle-là. Je l'ai vue quelque part. Vous êtes Florence Artaud. Alors je dis non. Elle est morte. Elle est morte. C'est pas Florence Artaud. C'est qui ? Et bien le grand cri. Viens voir, il y a un otage devant la porte. Alors là, le mari sort, ça s'arrange un peu, mon cas se dénoue et donc on se retrouve devant un café. Alors j'ai appris, je veux dire, depuis cet épisode en Irak. J'ai appris à calculer environ une heure de plus pour chaque interview. Parce qu'au bout d'un moment, on enlève les petits gâteaux.
Non, mais raconte maintenant, dites-nous. C'est ça. Qu'est-ce que, alors, comment ça s'est passé? Donc, voilà. Et on est reparti, l'interview se retourne, et c'est à moi de répondre aux questions. Et donc, quelle est peut-être la rencontre qui vous a donné envie peut-être d'aller plus loin? Vous aviez vraiment l'intention au départ de faire ce livre? Enfin, c'était, pas, du tout. Pas du tout, non? Non, pas du tout. Ouais. Ce qui m'a convaincu, l'histoire m'intéressait. Alors, elle m'intéressait, je vous ai décrit cet endroit, ce mystère. Hein. Et alors, je vous ai même pas dit une des choses principales, c'est que, donc voilà, qui peut en vouloir à Catherine Burgot? L'un d'entre nous. Et l'autre chose extrêmement mystérieuse, c'est que cette porte, cette agence postale, c'est, ça fait 50 mètres carrés. Hein, c'est vraiment l'agence minuscule. La plupart du temps, ses copines boivent le café avec elle dans le truc. Il y a 15 clients par jour, enfin 15 usagers par jour. Donc c'est vraiment, il y a très peu de monde, etc. Et pour rentrer, il y a une porte donc, qui donne sur la place principale de cette partie du village. Et donc, l'assassin qui est rentré est forcément entré par cette porte et sorti par cette porte. Et le crime a eu lieu à 8h30, l'heure où arrivent les gens vont travailler, les enfants vont à l'école, il y a l'arrêt du bus scolaire à 10 mètres. Enfin, c'est vraiment au cœur du village avec des allées et venues sans cesse, etc. Et personne n'a rien vu. Donc il y a là une sorte de mystère de la chambre jaune. Qui a pu faire ça? Comment on n'a vu personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça moi déjà... Ça m'avait accroché, quoi, je me dis. Et une personne est soupçonnée, la personne qui habite littéralement en face de la poste, donc c'est des toutes petites rues, c'est à 3 mètres, hein, les deux portes se font face à 3 mètres d'écart de la chaussée. Et la personne qui habite là s'appelle donc Gérald Thomassin, et cet acteur qu'on évoquait tout à l'heure, qui a été primé, qui a eu le prix du Jeune Espoir, hein, pour un film qui s'appelle Le Petit Criminel, il habite en face, alors c'est le gars qui est là. On en connaît tous un, ou en tout cas on a vu. Il est assis sur le banc, il met sa musique fort, il a une canette à la main, vous le situez? Voilà, c'est lui. Et donc, il est à la fois tout à fait acteur, hein, il a tourné dans plus de 20 films, donc c'est vraiment un acteur, il a été primé plusieurs fois, c'est pas du tout... voilà, il fait ça. Et à la fois, tout à fait un SDF. Donc il traînaille sur le banc en face, il vit des minima sociaux entre les tournages parce qu'il dépense l'argent n'importe comment dès qu'il en touche. Enfin, donc voilà. Et donc il a un pied sur le tapis rouge, un pied dans le caniveau. Et vraiment comme ça. Et évidemment, il est venu dans le village pour se mettre au vert parce qu'il prenait un peu trop de produits stupéfiants. Il se dit, je vais faire une cure, il faut que j'arrête, etc. Il atterrit dans ce village et il habite en face et c'est vraiment lui l'étranger. Et donc, on se dit, bah, il est drogué, il a besoin d'argent, il habite en face, il est toxicomane, il ne doit pas avoir toute sa tête, il a juste 3 mètres à faire, c'était facile d'entrer et sortir. Et donc, sur lui se portent les soupçons, et c'est lui qui est mis en examen assez rapidement, en fait. Oui, puis il va même jusqu'à... il se balade un peu dans un cimetière, à un moment donné, il rencontre des dames, il leur raconte sa vie, enfin, il y a des trucs assez... C'est ça qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'acteur, il l'est vraiment. Et alors, donc, le moment où les soupçons se portent sur lui, c'est il est dans le cimetière, assis sur la tombe de cette Catherine Burgot qui vient d'être assassinée, qui est pleine de fleurs. Ça s'est passé il y a à peine un mois plus tôt. Lui est assis sur la tombe, donc il y a des mots de tout le village. Voilà. Et il est assis là avec sa canette. On ne se refait pas. Et donc, il boit un truc. Et deux dames arrivent dans le cimetière, deux villageoises. Arrive et tout le monde va voir à cette époque-là la tombe de Catherine Burgot. Tiens, moi je ne l'ai pas vue. Est-ce que. Voilà, c'est un pèlerinage un peu intime de ce village. Et elle le voit assis là. Alors elle se dit, ah, c'est peut-être son. Elle était avec un nouveau copain, c'est peut-être lui. Alors elle s'approche, elles font deux, trois petites. Ah, nous aussi on est tristes, on la connaissait bien, vous aussi. Alors lui se lève, elles comprennent que ça n'a rien à voir. Et il leur raconte sa vie. Voilà, je suis acteur, j'étais toxicomane, mais je ne le suis plus. Je suis un enfant de la DAS, c'est en effet un enfant qui n'est pas élevé par sa famille, d'ailleurs, famille complètement explosée, une enfance terrible, fracassée, etc. Et donc, il leur raconte tout ça. Non ? Et les deux dames, il est assez charmant, c'est un acteur, il a un côté séduisant. Et donc, les deux dames disent, il a quand même, quel dommage, acteur, voilà, il se laisse aller alors qu'il pourrait avoir une vie tellement merveilleuse au Festival de Cannes, etc. Et donc, elles l'écoutent, elles sont un peu charmées. Et puis, à un moment, il se dit, bah,
Catherine Burgot, en tout cas, je vais vous montrer comment elle est morte. Et il se met, acteur, à mimer le meurtre. Et donc, les deux, le charmant devient plus du tout charmant. Le soleil a l'air de briller beaucoup moins. Et il s'en va, elles ont vraiment peur, elles se disent, il va nous suivre dans le village. Elles se regardent et elles se disent, on a trouvé l'assassin. Et donc elles appellent la gendarmerie, donc voilà, et l'affaire s'enclenche. En tout cas, c'est un des éléments déclencheurs, pas le seul bien sûr, mais un des éléments déclencheurs. Il y a quand même quelque chose moi, qui a retenu mon attention, c'est ce bureau de poste dont vous parlez, qui est un lieu important. Quand même. Finalement, il existe encore un bureau de poste, c'est quand même aussi un service public, c'est quand même aussi... voilà, alors que dans des villes parfois plus importantes autour, il n'y en a plus. Enfin, bon, c'est vrai, dire pour, oui. Et c'était une volonté du maire de dire, voilà, il faut qu'il y ait des services publics qui... Vous savez, maintenant, il y a des accords entre les mairies, la mairie paye le loyer, enfin, ce genre de choses. Et donc la mairie était très engagée là. Et la chose qui est terrible, c'est que je vous l'avais dit, le père de cette femme est secrétaire de mairie. Et lui adore sa fille, Raymond etc. Burgot. Voilà, Raymond Burgot adore sa fille et se dit il faut qu'elle reste là, il faut pas qu'elle s'éloigne, il faut que je la voie. Voilà, il est content de la voir près de lui. Hein, je veux dire, c'est un père aimant, assez seul, etc. Et donc il lui trouve ce boulot à la poste quand l'employée précédente prend sa retraite, la pousse à accepter et lui dit voilà, voilà ça va être bien, tu vas rester au village, ça fait un boulot, etc. Et vous imaginez, donc il pousse même le maire à garder le bureau ouvert, enfin c'est tout ça se monte. Et donc vous imaginez le sentiment de culpabilité de cet homme quand sa fille est assassinée dans ce bureau de poste, travail qu'il lui a trouvé. Lui-même a poussé le maire. Et donc, l'autre personnage de ce livre est ce père qui, quand sa fille est assassinée, tapisse sa chambre de grandes pancartes comme ça, en disant « Ma fille, je te vengerai. C'est pas beau la vengeance, mais c'est ce qui me laisse en vie. » Et donc, il décide de trouver l'assassin. Il s'instaure enquêteur. Et ça va être, pendant longtemps, il va être celui, avec son avocat, il est parti civil, hein, comme victime, avec son avocat, à se dire, ça ne peut être que Thomasin. Question peut-être avant qu'on passera bien sûr la parole au public après, mais aussi bien dans donc, l'affaire d'Outreau, et donc l'inconnu de la Poste, il s'agit de deux affaires criminelles. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est aussi deux faits divers, un peu en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous... Je fais un peu le lien. Parce que c'est... c'est beau. Non, ce qu'il y a, c'est... je sais pas. J'ai pas de réponse particulière. C'est vrai que j'ai commencé au service d'information générale, donc les affaires criminelles. Alors c'est assez étonnant, en particulier pour l'inconnu de la Poste, parce que au Monde, ils ont une philosophie assez dure sur les faits divers, c'est-à-dire qu'ils disent nous, les faits divers, c'est un truc pour les ils trouvent ça populaire, c'est pas voilà, on met pas les mains là-dedans, c'est pas pour nous. Et je trouve au contraire que à travers un fait divers, on comprend très bien une société, on comprend très bien le fonctionnement d'institutions. Comment marche la justice, comment marche la police, comment se fabrique ou ne se fabrique pas un coupable. Et je trouve que c'est au contraire une façon d'explorer la société où on vit absolument intéressante, qui moi me passionne et m'a passionné. À tout niveau, là par exemple, il y a beaucoup de choses sur le milieu du cinéma, milieu dont j'ignorais tout, et qui est un milieu extrêmement brutal, extrêmement... voilà, les caméras s'éteignent, tout le monde rentre chez soi. Si vous n'avez pas de chez vous, et ben, vous restez dehors. Enfin, et donc il y a là un côté très, enfin, qui fait traverser beaucoup de milieux et qui moi m'intéresse beaucoup. Le témoignage de Dominique Besnéard, notamment, qui est cet agent donc, qui travaille chez Art Media, qui a beaucoup compté dans la vie de Gérald Le Thomasin, puisque voilà. Mais il a fait plus de 21 films, vous l'avez dit, hein, 21 films. 21 films, oui, il a fait 21 films. Ouais. Béatrice Dalle était une de ses copines. Enfin, c'est un vrai acteur. Enfin, c'est ça qui est assez particulier. Alors, c'est quand il arrive à Montréal-Lacluse, il a pas personne ne croit qu'il est acteur. Mais il est acteur, lui, le type qui va toucher son RSA, etc. Il n'arrive pas à y croire. Et quand ils le comprennent, enfin, par exemple, il y a une jeune femme qui tombe amoureuse de lui.
Et donc, il dit, voilà, je suis acteur, etc. Alors, elle se dit, mais je vais le sauver, je vais le faire reprendre sa carrière, etc. Et donc, comme ça, il aspire toute une catégorie de gens, et c'est assez intéressant sur ce qu'on pense du cinéma. C'est-à-dire que lui, une partie des gens disent, et ça doit être très dur à porter, regardez, c'est un gamin de la DAS qui a été recruté par un casting sauvage, on le tire du ruisseau, et c'est sa chance. C'est sa chance, y compris sa mère. Sa mère, quand il est choisi, sa mère qui ne l'élève pas, hein, qui l'a abandonné. On a besoin de la signature parentale pour qu'il tourne. À l'époque, son premier rôle, il est mineur encore. Et sa mère signe et elle dit, ça y est, le cinéma est une bonne fée, on va le sauver. Et finalement, certains de ses copains disent, le cinéma l'a enfoncé. Et donc, qu'est-ce qui est une chance dans la vie? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a toute cette... toute cette chose-là. Après Le Petit Criminel, Jacques Doyon avait présenté le gamin à Dominique Besnéard, justement, à Armédien, un agent artistique devenu lui-même aussi star que les stars dont il gérait la carrière. La photo et le CV du gamin éclataient à côté de ceux de Jean-Louis Trintignant ou de Nathalie Baye. L'histoire du cinéma français est traversée par des étoiles filantes, ces jeunes gens sortis de nulle part qui font rarement un deuxième film. Thomasin en a tourné 21 avec Armédia avant de quitter l'agence en 2007, après le départ de Besnéard. Les rôles lui arrivent tout seuls, sans qu'il se donne la peine de bouger. Le terme de carrière lui est inconnu. Jamais on ne l'a entendu exprimer le désir de travailler avec tel réalisateur ou jouer certains rôles. Son but est de faire un film par an. Il aime que Besnéard choisisse pour lui. C'est un garçon naturellement doué, recherché par les metteurs en scène, un modèle unique, mais il occuperait une ONG à lui tout seul, se souvient Besnéard. Quand il dit oui, il est totalement présent. Mais on prévenait l'équipe, il faut parfois un mois ou deux avant de mettre la main dessus. Cela dit, on n'a jamais rencontré de litige avec lui. Pas un tournage à problème ou une histoire obscure. Longtemps, on a pensé qu'il s'en sortirait. Il laisse s'installer un silence. Il m'arrive de le penser encore. Ouais, c'est... L'heure tourne, François. On va passer peut-être la parole au public. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions? Alors, il y a dans la salle des bénévoles du festival qui vont venir vers vous si vous souhaitez intervenir. Donc, Oui, attendez, il y a peut-être un micro. Allez-y si vous parlez fort. Non, mais allez-y peut-être. Oui. Allez-y. Ils vont pas entendre là-haut. Il faut qu'on vous entende. Au premier rang, voilà. Si, ou sinon, ah. Ouais, le micro va arriver. Voilà une jeune ramasseuse de balles. Alors, j'ai pas vu. C'était. Je vais le tenir. Dites-moi la question. Oui, c'est bon. Oui, allez-y. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a une otage devant la porte. Mais quand vous avez fait votre livre sur les quais de Ouistreham, vous aviez gardé votre nom. Vous êtes présentée comme Florence Aubenas. Et pourtant, très peu de gens ont tilté. Peut-être que c'était à Caen. Vous êtes pire que moi, en fait. Non. En fait, je pense que quand on se présente comme journaliste, tout de suite, les choses s'enchaînent plus facilement. Postulant à Pôle emploi, cherchant un travail de femme de ménage, enfin, en tout cas, le faisant, etc., les gens ne vous voient pas comme ça. C'est-à-dire que je crois qu'on visualise les gens et on les reconnaît quand ils sont en situation. Alors que quand ils ne le sont pas, on n'a pas cette... Si vous voyez votre boucher en boîte de nuit, vous n'allez pas vous dire, tiens, le boucher est en boîte de nuit. Donc, il y a ce côté comme ça de dépaysement d'une chose. Alors, en revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y a une personne qui m'a reconnue, qui était une femme d'une agence d'intérim. Donc, j'essayais tous les biais. Hein, donc, elle était dans une agence d'intérim. Et donc, je laisse mon CV... J'étais super contente. Il s'agissait d'un poste dans une animalerie. Je vous ai raconté l'histoire du chien. Je m'étais dit, ça y est, à elle, au moins, je vais lui servir le chien et le cochon d'Inde que j'avais eu enfant. Et donc, j'ai postulé. Évidemment, elle m'a dit, c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop bien pour vous, etc. Mais laissez votre CV. Donc, je laisse mon CV. Et je repasse le lendemain. Elle me dit, vous foutez de moi, vous êtes journaliste, etc. Alors là, je sens que je vous en supplie, ne me trahissez pas, ne le dites pas, etc. Et elle a tenu sa langue, d'ailleurs. Et quand j'ai présenté le livre à Caen,
il y avait au premier rang un couple de personnes de la ville, très très bien habillées, vraiment très très comme un mariage, comme pour un mariage d'un certain âge, etc. Et donc on raconte le bouquin, etc. Il y a un débat et à la fin ce couple se lève, donc il y a un silence de fin du débat, se lève, prend le livre, le brandit, ils sont debout tous les deux, super bien sapés. Nous sommes les parents de la personne qui a reconnu Florence Aubenas. Et donc la salle entière les ovationne. Moi, à côté, ça avait été un fiasco. Rien, les gens étaient comme ça. Mais alors, reporté en triomphe. Et alors, à la fin, le bouquin venait de sortir. Donc, certaines personnes venaient me le faire dédicacer, mais beaucoup moins qu'à eux. Eux dédicacer le livre, mais ils avaient des piles comme ça devant eux. Les gens disaient, non, pas vous, eux. Donc, c'était assez... C'était très, très, ils étaient très sympathiques. J'espère que je vais réussir à poser ma question. Je suis très captivée par tout ce que vous racontez. Et pareil, j'étais captivée par tout ce que j'ai lu. Je trouve que vous êtes plus une conteuse, en fait, quand on vous lit encore dans le dernier article qui m'a marqué, celui qui se passe en Lozère. Je me suis dit ça, on ne sait plus, en fait, parfois, si on est dans la réalité, dans la fiction, tellement il arrive des histoires sans arrêt, à partir d'un point de départ un peu aléatoire au départ. Et la question que je me pose, bon, je n'ai pas lu L'inconnu de la Poste, mais sur ces questions de faits divers, et notamment sur cette histoire dans une vallée cévenole, avec une jeune femme qui a disparu et qui continue de hanter et d'habiter la vallée, quelle incidence ça a de travailler longtemps dans un lieu, enfin, sur ce lieu, avec les personnes, toutes ces rencontres, quelle incidence ça a sur la vie des gens et sur le temps judiciaire aussi? Est-ce que ce que vous racontez... Enfin, je ne l'avais jamais mesuré avant, mais là, sur cette histoire de Lozère, que je connais mieux parce que j'y ai passé du temps, je me dis... Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Justement, en racontant, on rend visible des choses qui n'étaient pas, qui peut-être devaient rester plus longtemps dans la tête des gens. Enfin voilà, c'est ma question sur l'incidence dans la vie des gens. Alors, l'article dont je le dis en deux mots, auquel vous faites allusion, c'est ça se passe dans les Cévennes, dans une vallée des Cévennes. Vallée qui est surnommée, alors je ne la nomme pas parce que les gens ne voulaient pas qu'elle soit nommée, donc je continue. Donc c'est une vallée où se sont installés après 68 beaucoup de hippies. Alors je dis hippies avec grand plaisir parce que pour moi c'est un terme noble. Et donc se sont installés beaucoup de hippies qui étaient là, qui ont fait des maisons, etc. Et un certain nombre d'entre eux sont restés, certains sont repartis, d'autres sont restés. Et ils ont d'ailleurs fait des maisons merveilleuses, magnifiques, etc. Je ne suis pas là. ils ont fait des maisons superbes, etc. Et dans certains endroits, comme dans cette vallée, la population entre hippies, je fais des raccourcis, hein, et population cévenole traditionnelle, c'est moitié-moitié. Donc il y a vraiment une implantation forte, etc. Et une des femmes qui s'est installée là est une femme extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est partie, elle habitait du côté d'Amiens. Et des types sont passés, on est en 68, sont passés en moto, des hippies, les cheveux longs, etc. Et elle était très forte en athlétisme, elle s'apprêtait à être championne d'athlétisme, etc. Et elle monte avec eux sur la moto et elle part en disant voilà, comme ça. Et donc elle rentre dans le mouvement comme ça. Cette femme, je vous la fais courte, a une fille, et cette fille a plusieurs péripéties dans sa vie, donc des espèces de petits signes comme ça. Vous savez, des fois, les gens qui perdent pied, il y a des signaux qui s'allument. Alors, elle a une copine qui suicide, elle part en Espagne aider son père qui tient un restaurant là-bas, et elle revient étrange. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'elle a eu? Est-ce qu'elle a été violée? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, on voit bien que dans sa vie, il s'est passé des choses, on ne sait pas trop. Et son père, et en tout cas un de ses frères, se dit, mais voilà, elle, ça ne va pas. Par exemple, elle porte sur un œil un bandeau noir, alors qu'elle n'a rien à l'œil. Et on lui dit, mais pourquoi tu mets ce bandeau? Alors elle dit, mais je mets ce bandeau parce que je ne veux plus voir que la moitié du monde. Donc on la voit petit à petit qui décroche comme ça, qui s'éloigne de la société.
Et un jour, son père dit, et son frère surtout, alors elle prend l'habitude de dormir sur la route. Donc on se dit, elle va se faire écraser, c'est pas possible. Et un jour, son frère lui dit, bon, écoute, je vais t'amener à l'hôpital, il faut que tu vois quelqu'un, que tu consultes quelqu'un, un psychiatre, un psychologue, etc. Et elle s'enfuit, elle saute hors de la voiture et s'enfuit dans la montagne. Et depuis 12 ans, elle vit dans ces montagnes Cévenoles. Et alors, elle, vous savez, elle y est montée, elle avait une vingtaine d'années. Et ça n'est pas une fille qui a appris à pêcher la truite à main nue comme vous et moi, qui ne coupe pas la cuisse d'un élan pour la manger. C'est une jeune fille qui est habituée à vivre voilà, dans la société telle qu'on la connaît. Donc, elle vit un peu dans les maisons de campagne des gens. Alors, au début, dans cette population très généreuse, avec ses traditions de laisser toutes les portes ouvertes, de ce côté qui restait un peu hippie, comme ça. Elle rentre dans les maisons, c'est charmant, elle vole les pots de Nutella, vous voyez. Elle prend les habits, alors les gens au début trouvent ça, elle a bon goût, elle a pris les plus beaux habits, enfin, il y a comme ça une espèce de tradition de partage. Mais petit à petit, l'affaire continue, et alors elle rentre de plus en plus souvent. Elle vole des choses de plus en plus bizarres. Elle vole le doudou d'un enfant, des photos. Voilà. Donc les gens, d'une chose qu'ils acceptent, ils prennent peur. Et puis certains sont comme ça. Elle commence un peu à saccager les choses. Et il se dit, donc ça fait 12 ans qu'elle y est. Vous imaginez, elle ne parle à personne. Elle ne parle plus qu'à sa mère et encore de temps en temps. Et sa mère, que j'ai rencontrée, dit, maintenant elle parle avec une petite voix de fille de 5 ans. Et donc, elle s'est métamorphosée à force de... Et le terme employé est ensauvagée, pas par moi, mais par sa mère. Et donc, voilà. Et donc, les gens ont commencé à avoir peur et à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut essayer de l'aider psychologiquement, mais comment l'attraper? Elle court dans la forêt, dès qu'on l'approche, elle s'enfuit. Est-ce qu'il faut la laisser vivre sa vie? Mais est-ce que cette vie est un choix? Est-ce que quand il fait moins 15, elle est si bien que ça dehors? Est-ce qu'elle n'est pas terriblement angoissée? Est-ce que, voilà. Et donc, il y a comme ça, dans cette vallée, des gens très investis dans cette histoire. Hein. Personne n'est... Il n'y a pas de méchant, pas de gentil. Hein. Enfin, il y a vraiment des gens qui s'interrogent, qui se disent qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, moi, j'apprends cette histoire parce que je discute tout à fait sur autre chose avec quelqu'un de cette vallée. Et j'étais intéressée par savoir ce qu'étaient devenus les enfants de hippies, comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils sont devenus dans la vie. Et on me raconte cette histoire-là. Et on me dit, mais surtout, il ne faut pas en parler, parce qu'on ne sait pas quoi faire, il ne faut pas donner le nom de la vallée, donc voilà. Et alors là, mon sang ne fait qu'un tour, je dis trop tard. Trop tard. Maintenant que je le sais, je ne l'aurais pas fait sans ça. Je dis, mais je pense que cette femme, il faut l'aider d'une manière ou d'une autre. Et j'avais été très marquée, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film de Truffaut qui s'appelle L'enfant sauvage, et qui est un film merveilleux sur un cas réel d'un gamin qui s'appelle Victor de l'Aveyron, qui est un enfant sauvage mais à l'envers de cette jeune femme. C'est-à-dire que c'est un enfant que sa mère a abandonné à la forêt, qui a été élevé dans la forêt et qu'on découvre à 14 ans et qui n'a jamais parlé, jamais vécu avec les hommes, etc. Et on se dit qu'il faut l'amener vers la civilisation. Et aujourd'hui, et c'était une chose qui m'intéressait aussi, c'est qu'un enfant sauvage, c'est devenu l'inverse. C'est quelqu'un de la civilisation, appelons ça comme ça, qui retourne vers la nature. Donc c'est le mouvement inverse. Et je trouvais ça intéressant sur l'époque aussi, sur comment le sauvage, on redevient sauvage, alors qu'avant, la civilisation tellement bonne, telle qu'on la voyait à l'époque, allait vous sauver, et aujourd'hui c'est l'inverse, on la fuit. Donc y avait toutes ces interrogations-là. Et donc je me dis, est-ce que quelqu'un ne peut pas faire, le film de Truffaut repose là-dessus, et c'est Truffaut lui-même qui joue ce rôle, est tenu par le fait qu'un médecin s'investit complètement avec ce jeune Victor et consacre une partie de sa vie à l'aider, à essayer de faire... Je me dis, est-ce que quelqu'un ne peut pas faire ça avec cette jeune femme? Je ne sais pas, un chercheur, un médecin, n'importe qui irait dans le... prendre un logement en Lozère et essaierait de la voir, de l'approcher. Ça met, c'est pas à pas, ça met beaucoup de temps, mais... Voilà, plutôt qu'elle meure de froid un jour dans la montagne, ou voir en tout cas ce qu'elle veut en faire. Donc il y avait toutes ces interrogations pour moi, où je me suis dit, pourquoi ne pas l'aider? La mère est catastrophée, elle,
elle a été mise au banc un peu des villages parce qu'elle elle aide sa fille, alors on lui dit mais tu l'aides alors qu'elle vole chez nous. Donc de personne qui a choisi une liberté, elle est devenue la fille qui pille nos maisons. Donc il y a les deux regards sur elle et c'est assez compliqué. Et donc forte de ça, je me suis dit je vais raconter cette histoire pour ça aussi. Et en fait, comme journaliste, on a toujours des très bonnes idées avant, et ça ne se passe pas toujours comme on pense. Et donc, après cette histoire, on se demande toujours si on a bien fait ou mal fait de le raconter. C'est vrai qu'au fond, c'est parfois un des droits qu'on s'arroge d'aller raconter ces histoires. Alors, la mère était d'accord, hein, j'avais pris les... Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir... vous pouvez être pétri par les meilleures intentions du monde. La même chose m'était arrivée dans une biscuiterie. Il y avait une biscuiterie qui ferme et donc les ouvrières se mettent en grève. Et cette biscuiterie, à côté de Caen justement, ça n'a rien à voir avec Edoustream, mais il se trouve que c'est la même région. Et donc elle ferme et les ouvrières qui n'étaient pas syndiquées, qui ne s'étaient jamais mis en grève, etc., 15 femmes qui travaillent là beaucoup depuis très longtemps, elles n'ont jamais travaillé que là, tout à coup disent « on occupe l'usine ». Et donc je vais les voir et je trouvais ça formidable. Et alors elles commencent à me raconter la vie de l'usine, comment ça se passe, etc., qu'elles veulent la sauver, que c'est leur vie. Et je me dis quel papier formidable, c'est 15 femmes qui découvrent la lutte à 50 ans et plus et qui tout à coup veulent sauver leur outil de travail. Et donc on est à table... comme elles occupent l'usine, on y mange et on y dort, donc je suis avec elles à table, j'y mange et j'y dors comme elles. Et voilà qu'elles me disent, ah ben, ici c'est marrant, elles rigolent sans même... Hein. Ici, même le stagiaire, quand c'est un homme, il est plus payé que nous. Alors je dis, mais comment ça? Ah ben, les hommes sont toujours plus payés que les femmes ici. Et puis, je me dis, c'est dingue. Puis elle dit, puis les hommes, oh, quand à la fin de la semaine, c'est une usine de biscuits hein, qui fait des madeleines. Et ils reçoivent un sac de madeleine toutes les semaines. Et je dis, pas les femmes, non pas les femmes. Et d'ailleurs, tous les hommes sont chefs. Pas les femmes, non pas les femmes. Alors, je me dis, c'est quand même incroyable. Et donc, je fais un article pour raconter la lutte de ces femmes. Et dans l'article, je raconte ça aussi. Et je le raconte, toute contente de ma bonne foi et de ça. Je dis qu'elle raconte ça. Et je dis aussi qu'elle le raconte comme quelque chose de normal. Et ça me semblait important de le dire, parce que pourquoi on se révolte et pourquoi à un moment on ne se révolte pas? Pourquoi ça semble normal ça? Parce qu'il faut aussi s'accoutumer à voir les choses et à les voir comme pas normales. Et donc je le raconte dans cet esprit-là. Et elles m'ont écrit après, et je les avais terriblement humiliées. Et je m'en suis beaucoup voulu, et voilà, parce qu'elles disent « vous nous faites passer pour des imbéciles ». Et c'est vrai, je peux comprendre ce qu'elles ressentent. Je m'en suis voulu, et c'est vrai que je ne l'ai évidemment pas fait pour ça, mais c'est vrai que quand on est journaliste, c'est une chose à laquelle on est très fréquemment confronté. On est là, je vous dis, tout content de dénoncer une chose, d'en raconter une autre, de vouloir bien faire. Hein, c'est jamais et même armé de la meilleure volonté du monde, vous vous retrouvez à faire pleurer 15 femmes qui se battent. Et c'est toujours une leçon, et je fais très attention maintenant. Alors, j'ai pris des bonnes résolutions, je vous rassure. Donc, à partir de maintenant, enfin, ça fait 3 mois, hein, c'est récent. C'est presque, voilà, je ne l'ai raconté à personne encore. J'ai décidé, et c'est ce que j'ai fait pour les Cévennes, mais ça n'a pas suffi, parce que je pense que des gens ont été heurtés quand même. Tous ceux qui parlaient dans l'article, tous ceux qui racontaient, je leur lis ce qu'ils racontent et comment ça s'inscrit dans le papier. Alors, je sais, beaucoup de mes confrères sont très choqués par ça. Alors, la plupart de ces confrères choqués ne sont pas choqués quand il s'agit de relire à Emmanuel Macron, au ministre de Bidule, et à ça. Donc, moi, je suis contre relire aux puissants, je suis pour relire aux faibles. Enfin, aux gens, en tout cas, qui ne sont pas les professionnels de la communication, ce sont des gens... Mais vraiment, hein. Des gens qui n'ont jamais parlé à un média, ils ne peuvent pas se rendre compte du choc que c'est de se prendre son image dans le miroir, en tout cas telle que moi je les vois en plus, qui n'est pas une image objective, qui est l'image voilà, vue par quelqu'un et donc commentée par quelqu'un, etc.
Et vous voyez, on finit par apprendre et trouver... alors j'espère que ça va mieux marcher et faire moins ça, mais ouais, je pense qu'il faut faire très attention. Voilà. Vous avez raison. Une autre question, là, oui, monsieur. Jusqu'où ou de quelle manière pouvez-vous avoir le sentiment qu'un sujet vous appartient ? Est-ce qu'il se partage facilement, enfin, au sein de votre journal, ou est-ce qu'on se l'approprie vraiment ? Alors, moi, je vois pas les choses comme ça. Dans un journal, globalement, dans toute rédaction, c'est-à-dire l'ensemble des journalistes qui font une chaîne de télé, une radio, un journal, peu importe quoi. Dans toute rédaction, la plupart des journalistes, 90% des journalistes, sont spécialisés. Donc, ils vont faire qui la politique, qui l'économie, qui le sport, et dans le sport, qui le football, qui le tennis, etc. Donc, c'est leur dossier et c'est leur sujet. Et alors, pourquoi ça marche comme ça ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'un journal, une rédaction, ça doit aller vite. Donc, tombe une information rapidement. Il faut que vous ayez tout de suite la personne qui a, comme on dit joliment dans le métier, le portable du ministre. Et donc, il faut des gens qui ont un réseau, qui travaillent sur un truc depuis longtemps et qui peuvent très rapidement réagir à une actualité inattendue. Donc, ça, c'est le cahier des charges qu'on donne à tout rubricard. Rubricard, c'est la personne qui occupe une rubrique, comme on vient de le décrire. Et donc, ça marche comme ça. Et il y a un tout petit nombre de personnes, moi, par exemple, on n'a pas de dossier. Alors, c'est une très grande liberté. Moi, j'adore ça. Et évidemment, une grande difficulté parce que vous êtes sur le dossier des autres. Donc, quand vous allez dans les Cévennes, vous êtes sur les plates-bandes du type qui fait qui est le correspondant local. Quand vous faites un fait divers, le type qui fait la justice ou la femme vient vous dire « Mais comment tu ne m'as pas prévenu ?» Là, ce matin, je fais un reportage pour les séries d'été sur le monde agricole. Donc, on vient me dire « Mais comment le monde agricole, c'est mon tracteur ?» Donc, voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là que ça marche. Donc... Alors, il faut prévenir les rubricards, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et au Monde, c'est un journal avec 400 personnes environ dans la rédaction. Hein, c'est le plus gros journal français en nombre, en diffusion. Enfin, c'est le principal journal français. Et donc, il y a parfois 3 ou 4 personnes sur un même dossier. Donc, c'est le luxe absolu. Voilà. Donc, le dossier leur appartient. Si vous mettez les pieds dessus, au mieux, vous avez un gilet pare-balles. Et sinon, il faut faire beaucoup de diplomatie. Mais c'est sympa aussi. Bonsoir. Alors j'ai écrit la question sur mon portable, mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur les relectures à Emmanuel Macron. Vous avez dit dans une interview à Society que le problème du journalisme actuellement n'est plus ce qu'on va vous empêcher d'écrire, mais ce qu'on va vous demander d'écrire. Est-ce que c'est à cause de ça que vous êtes tenté de ne pas vous présenter en tant que journaliste dans vos reportages ? Je me présente. Non. Je prends par exemple l'article quand vous avez passé 15 jours dans les EHPAD, par exemple. Ouais. Oui, oui, mais dans les EHPAD, j'ai dit que j'étais journaliste. Hein. Je l'ai dit parce que, là encore, je ne voulais pas que les gens se sentent piégés. En plus, autour des EHPAD, il y a quand même tout un contexte. En tout cas, moi-même, j'avais malheureusement beaucoup de familles en EHPAD qui, malheureusement, n'a pas survécu au Covid. Mais il y a toujours, quand vous avez votre tante, votre oncle ou peu importe qui en EHPAD, vous demandez toujours est-ce qu'elle est bien traitée, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Et je ne voulais pas me trouver confrontée à ce genre de choses où quelqu'un, mais moi j'ai été brutale, mais c'est pas si... Voilà, c'est compliqué. Et donc, c'est des personnes qui... Voilà, c'était difficile. Donc, en général, je me présente toujours comme journaliste. Là, c'est la seule fois où je ne l'ai pas fait. Et je pense que c'est quelque chose de très, très, très difficile de ne pas se présenter comme journaliste. Il faut le faire quand c'est vraiment utile, avec parcimonie. Parce que c'est pas simple pour les gens qui, après, découvrent votre réelle identité. Mais c'est vrai, pour en revenir à ce que vous disiez sur le...
sur la situation d'un journaliste face aux puissants, allons vite, hein, politique, économique, etc. C'est vrai que la difficulté aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à être journaliste, le problème, c'était on n'arrive pas à avoir de visa, on nous empêche d'écrire si tel gouvernement vous empêche de faire ça, etc. Là, on vous accueille à bras ouverts. Et ce que vous avez besoin quand vous allez dans un pays, c'est qu'on vous foute la paix. Ou en France, c'est-à-dire que vous avez dans chaque ministère 30 personnes qui font la com, je vous passe ma collègue, etc. Et on vous noie d'informations. Avant, on était asphyxiés parce qu'on ne venait pas d'informations. Aujourd'hui, vous périssez noyés. La communication. Aujourd'hui, c'est le réel problème, franchement, de la presse. C'est trop d'informations. On se fait tous. On achète tous contents les jolis récits qui sont faits, ou en tout cas. Ils sont calibrés pour ça. Y a-t-il encore une question, remarque ou réflexion ? Je vais en profiter puisque j'ai le micro. Oui, allez-y. Oui, oui. Voilà. Oui. Je me suis toujours demandé quel était l'après. C'est pas vrai, j'y crois pas là. Je prends ce droit. Bravo. Donc, je me suis toujours demandé quel était l'après d'un reportage. Vous avez mentionné ces dames dans la biscuiterie, qui avait été heurtée, donc qui avait pris contact avec vous. Vous, quand vous interviewez, quand vous rencontrez des gens, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle situation, une fois le reportage terminé, une fois le livre terminé, est-ce que votre rapport avec eux est terminé ? C'est un problème très difficile, ça. Parce que, vous l'avez compris, il m'arrive de passer du temps avec les gens, de passer du temps sur des sujets. À Kedoustram, j'ai passé un an. L'inconnu de la poste, j'y suis retournée très régulièrement, etc. Et donc, vous nouez des liens avec des gens et vous avez envie de le faire parce que c'est votre travail. Vous les trouvez sympathiques. Donc, il y a là une ambiance qui porte à ça. Après, la première difficulté, je vous l'ai décrite, c'est celle d'arriver, de sonner à la porte, qui vous êtes, etc. Après, des relations se font et la difficulté plus grande et plus compliquée est celle de partir. Donc, quand c'est à Montréal-Lacluse, vous allez garder en copains les gens qui étaient vos copains. Quand c'est en Syrie, c'est terrible parce que vous avez votre billet d'avion dans la poche, vous allez rentrer à Paris où tout va pas si mal, du moins en comparaison. Vous savez que vous avez toujours le billet retour et eux non. Et donc, le moment de partir est très compliqué. Et c'est vrai aussi parce que vous avez noué des liens avec des gens pendant les reportages, ça, en général. Et après, ils vous rappellent en disant « quand est-ce qu'on se revoit ?» etc. Et c'est toujours compliqué de dire « j'y étais pour le boulot ». Alors, des fois, c'est pas vrai. Des fois, vous restez copains. Hein. Moi, j'ai dans mon sac à dos, j'ai des filles du Quai d'Ouistreham, des gens de Montréal-Lacluse. Enfin, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup et que je continue à voir. Mais pas tout le monde, parce que ça ne se peut pas. Quoi. Je travaille dans un journal, je ne suis pas copine avec tout le monde, loin de là. Et donc, voilà. Et c'est un drôle de moment, ce moment où on commence à s'éloigner et où certains ne le comprennent pas. Et je peux le concevoir. Hein. Et donc, il faut l'expliquer avant. Il faut l'expliquer avant, dire voilà, je suis journaliste, toujours sortir le carnet, enfin bon, ce genre de choses. Oui, il y a une madame au milieu, au centre, oui. Ouais. Bonjour. Je me demandais, en fait, pour le Quai d'Ouistreham, du coup, comment ça se passe avec votre employeur Le Monde ? Vous prenez un congé sans solde et vous allez pointer à Pôle emploi à Caen ? Concrètement, en fait, de façon pratique... Je ne sais pas si ce reportage, en fait, en livre, avait fait l'objet d'articles. Je ne me souviens plus. Non, pas du tout. Alors, moi, je suis adepte de ça. Je suis adepte du congé sans solde. Alors, donc, en effet, quand je fais un bouquin, quand je l'écris, etc., Quai d'Ouistreham, un an et demi de congés sans solde. L'inconnu de la Poste, toutes les vacances pendant 6 ans, beaucoup de week-ends, enfin, de récup, comme on dit, et un an de congés sans solde pour l'écrire. Donc, à chaque fois, moi, je fais ça, parce que je pense que c'est correct, qu'on ne fait pas deux choses à la fois. De toute façon, j'aimerais pas ça. Hein.
Donc, oui, je pense que c'est sain de faire comme ça. Quand il s'agit de... Puisque je vois que la technique vous intéresse. Quand c'est en France, où c'est la reproduction d'articles parus dans Le Monde, donc là, c'est juste un boulot d'editing, hein. Mais enfin, c'est des papiers, c'est paru dans Le Monde, donc le Monde est co-auteur touche la majorité des droits du bouquin. Et je trouve ça tout à fait normal parce qu'ils ont payé les reportages. Et d'autre part, un article d'un journal n'est pas simplement le résultat de mon grand mérite. Encore que je trouve ça injuste, mais enfin, non. Mais vous avez dans un journal toute une organisation de correcteurs, de titreurs, voilà, qui eux ne vont pas faire paraître leurs corrections en bouquin, etc. Et donc je trouve normal que le journal s'irrigue pour tout le monde. Alors je suis grande militante. Alors donc je suis pas la seule au monde et dans les journaux à refaire paraître des articles en libre. Donc une partie, donc vous l'avez compris, va au Monde. Et je suis pour maintenant. Je milite pour ça au Monde, que cette cagnotte ainsi faite de droits d'auteur sur des livres de reproduction d'articles soit fléchée et puisse être versée comme une prime aux employés, à tout le monde qui ait un petit rab, comme moi j'ai un petit rab quand je fais ça. Voilà. Donc je pense que ce serait plus motivant pour tout le monde et plus juste en fait. Voilà, donc c'est mon combat du moment. La biscuiterie Jeannette est en France, justement, c'est cette fameuse biscuiterie, les filles de chez Jeannette, là, article de mars 2014. Oui, c'est vrai. Ouais. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quelle est votre intime conviction contre la disparition de Gérald Thomassin? Et si, quelle est ma théorie? Votre intime conviction sur la disparition de Gérald Thomassin, et est-ce qu'on a trouvé l'assassin de cette jeune postière? Alors, l'histoire de... Donc, vous avez, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, bon, à la fin, Thomassin, qui est innocenté, disparaît. Et alors, je l'attends à Lyon, on a rendez-vous à Lyon, et il a disparu. Il ne vient jamais à ce rendez-vous, et il s'est évaporé à la gare de Nantes, où il est censé changer de train, entre Rochefort, où il habite, et Lyon, où il doit... comparaître au dernier acte judiciaire qui va le mettre hors de cause, qui est prévu pour le mettre hors de cause. Il change de train et dans ce changement de train, il disparaît. Et il disparaît à Nantes, dans une ville où il est de passage, où il est censé rester une heure, où il ne connaît personne, où il n'est jamais allé et où il n'a aucune raison de disparaître. Donc moi, je l'avais eu au téléphone la veille. Et il était ravi d'aller à cette confrontation. Il avait dit, ça y est, enfin, je vais être reconnu, mon innocence va être reconnue, etc. Et donc, je savais qu'il avait très envie d'y aller. On avait rendez-vous à Lyon, on devait déjeuner ensemble avant cette confrontation. Et donc, je l'attends toute la journée devant le palais de justice et il n'arrive jamais. Et donc, moi, tout ça pour vous dire que mon intime conviction est qu'il n'a pas disparu volontairement. Donc, la justice, les juges ont pour théorie qu'il s'est suicidé. Moi, je ne le pense pas, parce que je pense qu'on aurait retrouvé son corps. Enfin, c'est pas un solitaire, hein, c'est pas un gars qui va monter sur une montagne pour ne pas qu'on le retrouve. C'est pas Dupont de Ligonnès du tout. Hein. Donc, pour moi, il lui est arrivé quelque chose. Et il avait une vie compliquée, décousue. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans cette vie-là? Je ne sais pas. Mais je n'en sais pas plus. J'espère qu'on le retrouvera en vie, mais je ne sais pas. Je dis pas ça du tout pour vous embobiner. Hein, c'est vraiment ma position. Je ne sais vraiment pas. Et c'était assez marrant parce que j'ai enquêté sur cette affaire pendant longtemps. Je continue encore aujourd'hui. Et quand il disparaît, je suis une des dernières personnes à lui avoir parlé. Et en plus, vous avez compris que je suis un peu... je suis une journaliste un peu... qui rentre vite dans l'intimité des gens, etc. Il tapait tout le monde. Thomassin. Donc son avocat, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu un avocat dans votre vie, c'est la seule personne que je connaisse qui réussit à taper du fric à son avocat. Donc c'est quand même très très fort. Donc lui, il y arrive. Donc vous voyez, c'est quand même le tapeur professionnel. Hein.
Et donc, moi, comme tout le monde, il me tape et me dit « Ah, il faut aller là, envoie, j'ai pas de quoi prendre le billet de train, est-ce que tu peux m'envoyer des sous ?» etc. Donc, je lui envoie de l'argent. Et donc, une fois qu'il disparaît, je me retrouve dans une enquête judiciaire convoquée par la PJ en disant « Vous avez envoyé de l'argent, est-ce que vous l'avez aidé à fuir ?» Et donc là, tout à coup, vous avez l'impression de traverser le miroir et d'être de l'autre côté face au flic qui vous dit « Alors, madame ?» Vous pouvez nous dire où il est. Donc, voilà. Et donc, réellement, j'en sais pas plus. Enfin, je veux dire, j'adorerais le savoir et aller le chercher aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Depuis l'assassin. Alors, dans cette poste, vous allez me faire raconter le livre. Je m'étais juré. Mais il faudrait mieux qu'on s'arrête. Non, tant pis. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Volontairement, il va. Tant pis pour vous. Non, mais c'est comme ça. Prenez le risque. Donc, dans cette poste. Il y a quand même, on a trouvé de l'ADN. Ça, l'ADN aujourd'hui, vous savez ce que c'est, ça y est, c'est les sorciers avec une éprouvette qui la secoue un petit peu et sort le nom de l'assassin. Vous avez tous vu ça partout. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Et donc, ils trouvent de l'ADN. Et alors, donc, ils font des tests d'ADN à tout le village, à plus de 500 personnes, à Thomasin. Ce n'est pas son ADN. Donc, c'est une des choses qui finalement le met hors de cause, finira par le mettre hors de cause. Mais. Donc, il cherche, cet ADN est inconnu. Et donc, le temps passe, un an, donc c'est en 2008, 2010, 2012, 2015, toujours pas d'ADN qui a matché. Et à un moment, l'ADN match. Et donc, on a arrêté quelqu'un, un jeune homme, qui avait 18 ans à l'époque, et qui, aujourd'hui, dit, c'est mon ADN, mais ce n'est pas moi, je suis rentré dans la poste. Et en fait, elle était déjà morte, mais je l'ai touchée. Donc voilà. Et donc, le procès doit avoir lieu prochainement. Donc, cette personne, c'est son ADN, il est présumé innocent, et il reconnaît un vol, mais pas le meurtre. Il dit, je suis rentré, j'ai piqué de l'argent, mais je ne l'ai pas tué. Donc, on verra ce que ça donne devant les assises. Et Thomasin n'a pas réapparu depuis le 28 non. août 2019. Voilà, c'est ce que vous écrivez. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être en rester là? Écoutez, je veux vous. À moins qu'il y ait une toute dernière question, remarque, réflexion. Non, je ne vois pas de main se lever. Bon. Donc, merci beaucoup, Florence Omna. Merci à Nicolas Rigaud, Ludivine Guillemet, pour l'interprétation en langue des signes. Voilà. Et je sais que vos livres, Florence Omna, sont présents dehors donc pour la dédicace. Donc voilà, vous pouvez retrouver Florence Omna pour la dédicace. Je voulais vraiment vous remercier de votre attention et vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Voilà. Et je dois dire, je trouve... Oui. J'arrête de... Oui. Tant pis pour les positions. Je trouve remarquable qu'il y ait cette initiative de mettre quelqu'un en langue des signes. Et je trouve que c'est un respect total pour... voilà, pour cette initiative. Vraiment, c'est formidable. Merci à toutes et à tous.